Kimi, elle est une jeune, c'est normal. Moi, je trouve ça vraiment très normal parce que moi, quand je n'étais pas encore mariée, il y avait des gens qui venaient à temps, à contre-temps. Finalement, c'était à moi de faire le choix. Vous savez, quand les gens nous disent que non, c'est l'homme qui fait le choix et tout, oui, ça peut être l'homme. Mais la femme également, elle reçoit beaucoup de prétendants. Et c'est à elle de décider à qui elle pourra dire eh oui. Alors, depuis l'histoire d'Axel, Kimi est devenue très prudente. Très prudente. Parce que quand vous êtes en train de voir sur la vidéo là, les garçons ici, il a une team qu'on appelle quelle team encore? Team P, je ne sais même pas qui est le nom de sa team. Mais sa team-là, ça soutient Kimi. Et vous voyez, c'est un bel homme. Hein. Personne ne va me dire que ce n'est pas un bel homme. Il est beau. Et il cherchait à tout prix à entrer en contact avec Kimi pour une fois. Il a réussi et il a profité en tout cas de poser toutes les questions. Ces questions, vous allez les découvrir parce que dans la vidéo, il n'y a pas que le garçon, mais il est le seul qui a pris beaucoup de minutes pour parler. Il y a beaucoup de minutes. Et j'ai aussi aimé le belle réponse de Kimi. Une réponse très sage, bien calculée, beaucoup de bordure et tout, beaucoup de calme. Et j'ai compris que Kimi a augmenté un peu la maturité, la sagesse. Elle n'était plus dans les histoires de beaucoup de rires, elle ne rigolait pas, elle répondait, elle était très... Non, l'université aussi, ça change une personne. Kimi, Kimi, elle était là quand on lui posait des questions en train de sourire. Avec ces garçons ici, elle a parlé comme une dame dans son bureau. Alors on va découvrir ensemble. Alors, dans la vidéo ici, il y a trois personnes qui ont intervenu. Kimi se sentait très seule parce que vous savez, non, elle est dans une ville où il y a peu de noirs, elle est toute seule. C'est normal le week-end qu'elle se connecte avec sa communauté. La fois passée, d'ailleurs, on avait fait une vidéo. Plusieurs personnes n'avaient pas compris la vidéo. En fait, la vidéo comparait justement entre Kimi et Axel, qui influençait positivement sa communauté. J'avais bien souligné, je n'ai jamais suivi les lives d'Axel et que je ressors avec quelque chose. Lui, c'est beaucoup de musique, beaucoup de matchs. Mais avec Kimi, elle vient, elle vous raconte sa journée, elle vous raconte ce qu'elle a fait, quels sont ses projets. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle donne un petit conseil. Elle prend le temps de parler avec des personnes qui seront disponibles. Vous vous sentez très proche d'elle, en tout cas. Très proche. Et heureusement pour vous, c'est aussi le cas. Elle a voulu parler avec sa communauté, de personnes qui étaient disponibles pour parler avec elle, notamment ces garçons-là. Donc, on a trois personnes, deux mamans. Et le monsieur là qui a captivé mon attention parce que il a posé des questions, beaucoup de questions techniques là. Et c'est ce qu'on va suivre ici chez Réseau Sociobuzz. Ma voix, elle est un peu cassée. Il fait très froid. On est samedi. Je suis en maman. Alors, tu tombes pour la première fois sur ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aime la vidéo. Commente et surtout partage la vidéo. Hein? N'oublie pas. Ici. Vous aurez des nouvelles. Hein? Mouka lelo, lamba lelo, comme on dit dans ma langue. Je ne sais pas comment le dire en français. Suivez la vidéo, on se retrouve à la fin. Moi aussi, je suis avec vous. Suivez. Et puis, voilà, attends, je vais terminer la luminosité. Bonne T'inquiète pas, ma vérité. caméra, ma petite. Allô? Ça va? Bonsoir. Bonsoir, madame, ça va et vous? Ça va, ça va, ça va. Tu Moi, je suis en m'excuses? Belgique. Ah oui! Voilà, donc nous on t'attend en Belgique. Va souffrir,
beaucoup, il n'y a pas de souci, Tata. Dès que je suis là-bas, On a beaucoup veillé pour le clip, hein. On va continuer de veiller avec maman Béret. On a beaucoup veillé pour le clip. Donc, on va faire pareil pour le deuxième clip qui sort ici le 10. Donc, n'oublie pas d'en parler. Voilà. Moi, c'est l'amour pour tout le monde. Je t'aime de l'autre, j'aime l'autre côté. Voilà, nous ne répond à rien. Tu es quelqu'un de merveilleux. Tu as une très belle âme. Et comme je t'ai déjà monté dans ton live une fois, je t'avais dit, ne mets rien dans le cœur, comme ton papa il a dit. Rien du tout. Voilà, quand tu as un cœur pur, tu as tout. Donc, on va fêter ça avec toi en Belgique. Donc, on t'attend sans faute. Oui, merci beaucoup à vous. Allez, ça va. Et Merci beaucoup. aussi pour les gloss, c'est pour quand du coup? Parce que j'ai pas Les mal de gloss. personnes aussi. Bon, je ne vais pas donner la date maintenant, mais ça va venir. Ça va venir. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci alors. Allez, on t'attend ici, il n'y a pas de souci. N'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bye. Et la team, quand l'affiche de la Belgique va sortir, là, on doit bomber. C'est-à-dire qu'on doit. On doit. Pourquoi je ne vois plus les commentaires? Je vois plus les commentaires? Et la team tapotée, oh, il voit le commentaire. Il voit plus le commentaire tapoté. Oh, et il va signaler même. Est-ce qu'ils n'ont pas signalé? Mais c'est la connexion qui fait ça. Oui, c'est la connexion qui fait ça. Seigneur Jésus. Ok, je pense que c'est la connexion. C'est la connexion. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Allô? 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 Bon. Salut. Salut. Ça va? Merci pour la photo derrière. Ouais. En tout cas, t'es ma crush, quoi. Voilà pourquoi c'est derrière comme ça. C'est gentil. Bah, je suis sûr que t'as eu à voir mes vidéos, certainement. Oui. D'accord, pas grave. Je tenais également à te féliciter hein, pour le son de avec Kaes Bloom là. Vraiment, Merci c'était très beaucoup. très 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 beau quoi. J'ai vraiment aimé. J'ai Merci beaucoup. partagé cela avec ma team beauté. La team beauté, c'est ma team, hein, t'inquiète pas, c'est ma team en fait. Donc moi, ouais, c'est ma team. Moi, j'ai eu à dire à ma team de soutenir en tout cas la team Lyon de Kimi. Merci Donc beaucoup. nous, on vient en appui pour soutenir en fait. Ouais, c'est depuis le Congo, hein. Juste pour signaler, depuis le Congo Brazzaville, au fait. Ah, enchanté le Congo. Ouais, enchanté. Merci beaucoup. C'est Ouais, gentil. non, sincèrement, moi personnellement, je t'apprécie énormément, en fait. Après, les gens se sont dit, pourquoi tu fais des vidéos sur Kimi et tout? Je me suis dit, je l'apprécie énormément, en fait. J'aime non seulement sa personne, au fait, tu es innocente, maman, tu vois, tu es innocente. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Tu es tout le temps joyeuse, tu es tout le temps contente, tu es tout le temps ouverte d'esprit, au fait. Et moi, j'aime trop ça, au fait. Tu vois, ça, c'est le coup de cœur, quoi, tu vois, c'est le coup de cœur. Donc, moi, personnellement, je suis vraiment très, très content de causer avec toi, finalement. Je crois que c'est hier que j'ai eu à voir le général Makoso entrer dans mon live. Il s'est abonné à moi, il s'est abonné en retour et tout. Parce que je crois, à certains moments, peut-être qu'il a eu à voir certains de mes vidéos et tout, les gens l'ont tagué, même une fois. Donc moi je me suis dit qu'il est grand temps que je monte. Parce que dès que je suis en live, les gens m'envoyaient le live sur WhatsApp. Steven, elle est en live. Je dis wesh, là faudrait que je parle avec elle. Comme ça. Ah, excusez-moi. Ok. Est-ce que vous avez une question? Allô? Des questions? Voilà, ok, j'ai une question, j'ai une question. Allez-y. Ouais, j'ai une question. J'aimerais savoir en fait, comment tu fais à ton jeune âge en fait, de gérer toute la pression des réseaux là. Comment tu fais? Comment fais-tu la part des études et la pression des réseaux? C'est la prière. C'est la prière tout simplement. C'est tout. T'es sûr? C'est sûr. Bon, maintenant moi je veux savoir qu'est-ce que tu dis à Dieu dans tes prières là pour que Dieu exauce en fait tes prières comme ça en fait. Je sais pas, mais Dieu exauce toutes les prières. Ça Bien sûr. dépend de ça dépend de ta foi. Et puis, parce que quand on prie, si tu veux vraiment recevoir, tu dois, voilà, avoir la foi.
quand tu pries, tu dois avoir la foi, tu dois te mettre en tête que tu as déjà reçu ce que tu as demandé et puis ça passe. Genre, et puis je me mets en tête parce que tout ce qu'on dit de moi, ça ne me concerne pas du tout. Merci beaucoup Tata Dame Bio, ça ne me concerne pas du tout, donc je prends pas ça, voilà. Je prends pas d'accord, ça. J'ai une autre question en fait. Ma question c'est de savoir, je sais que Kimi est une très belle femme déjà, c'est visible, hein, tu es une très belle femme. Déjà, j'aime tellement les Ivoiriennes, j'aime tellement la culture ivoirienne, je vous aime trop quoi, c'est ce que tu vois. Maintenant, j'aimerais savoir, actuellement, quel est ton genre, quel est le genre de mec de Kimi? Moi, j'aimerais bien savoir, on a vu plusieurs prétendants défiler sur les réseaux et tout, mais j'aimerais savoir quel est ton genre à toi. Tu n'as jamais parlé de ça, hein? Jamais. Parce que ça m'intéresse pas. Comment ça t'intéresse pas? Ouais, je mets pas ça pour le moment en tête. Quand je vais finir d'atteindre mes objectifs, je vais penser à tout ça. Ah, sinon... d'accord. D'accord. Et quand tu parles des objectifs, tu parles de l'école, n'est-ce pas? L'école, le travail, être indépendante, bien assise, et puis voilà. Ouais, je suis d'avis avec toi. Je suis d'avis en tout cas. Ok, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais vraiment. Je suis tellement content. T'as pas l'idée, je suis tellement content. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est la gamme Kimi qui est derrière lui d'ailleurs. Oui, c'est la gamme en tout cas. Eva Beauté Tactile. Voilà, donc vous contactez Eva Beauté Tactile, vous commandez la gamme Kimi qui est disponible. Voilà, et puis pour avoir un teint chic, élégant, un teint frais, voilà, naturel, qui glow et tout ça. Donc voilà. Ouais, moi je pense même que je vais également prendre cela pour avoir un teint encore beaucoup plus intéressant. Oui! C'est ça, un teint beaucoup plus lumineux, éclatant. Voilà, tu as tout compris. Parce que moi également, j'aimerais être aussi beau que tu l'es, au fait. Bon, même si tu es une femme, bon, en termes de beauté, quoi, tu vois. Je veux rayonner aussi comme toi. Mais là, c'est différent, c'est homme. L'homme, on dit quoi alors? Si c'est pas rayonner, on dit quoi? Ah, en termes de teint, oui, mais... Les gens, ils s'en se ressemblent. Comment ça se ressemble alors? Moi, je trouve pas. Hein. Ah bon, oui. Moi, ça m'étonne même. Vous ressemblez à quelqu'un que je connais bien. Pardon? Oui, vous ressemblez à quelqu'un que je connais bien. Ah bon, je ressemble à qui? C'est un ami. Et, mais comment il s'appelle? Peut-être que je le connais. Peut-être que je sais pas, on est frères. Non, oh, moi, mes amis, là, je les expose pas trop et tout. Aïe. Bon, juste son prénom, juste son prénom. Ivan. Ivan. Okay, Ivan, Ivan. Ivan, ah ouais, Ivan. Ah ouais, et il vit où, Ivan? Mais je veux savoir, donc, juste le pays? Juste le pays, t'inquiète pas, juste le pays. En Côte d'Ivoire. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais. Non, mais moi, c'est Steven, hein, comme c'est écrit là, Steven Misso. D'accord, il y a voilà. C'est sûr que les gens ont eu à dire cela dans les commentaires maintes fois. Je voyais Steven, tout à l'heure. Ouais, là. C'est moi. D'accord, enchanté alors. En tout cas, enchanté. Et comment se passent tes études en France, en fait? Tout va bien ici. En tout cas, je suis à l'aise ici. Ça se passe bien, ouais. En tout cas. Ça se passe bien. Oui. Ouais, je vois, c'est pas facile, hein. Le système, tu vois, scolaire, carrément différent, en fait. Bien le système universitaire. Oui. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais savoir. En tout cas, je me suis déjà abonné à longtemps déjà. Donc, vraiment, si je peux voir le retour, vraiment, ça serait vraiment l'idéal, quoi. Ah, ton visage là. Ah, pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui conditionne ton retour, au fait? Je vois. Hein? Il n'y a pas de souci, je vais faire le retour. Kimi, toi, tu n'es pas menteuse, hein? Je sais que tu n'es pas menteuse. Ok, je te crois. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci. Merci. Zamaraka Kamakma dans ma live. Qu'est-ce que ça va dans ça? Qu'est-ce que... Les gars, ça va me réveiller qu'il y en a là. Il dit mon beau coucou dans mon live. Qu'est-ce qu'il veut que l'on fait? Get.
Oh, j'ai trop envie de faire le classement. Mais je sais pas, attends, on va essayer avec MMK sont que les lions là-bas. Que les lions là-bas. C'est MMK même est disponible, attends, va. Ah, il a encore bégement. Il y a Maïssa aussi. Maïssa. Bon, attendez, je parle avec mes abonnés d'abord et tout. Et puis, pourquoi ça fait ça? Tiens. Allô? Salut, comment tu vas? Salut, ça va et vous? Ouais, ça va. Vraiment, Oui. merci d'être passé la dernière fois dans mon live. Ouais, on était heureux de te voir en fait. C'était la Ah, fête en fait. merci beaucoup à vous Voilà. déjà, à toute la team, et les personnes qui ont veillé et C'est tout la team des pour. lions, hein. C'est la team des lions en fait. Voilà. Exactement, merci En fait, beaucoup. Que tout le monde était Dieu motivé, tout le monde était dévoué. Voilà, j'ai vu qu'au-delà de regarder tes lives, les personnes t'aiment vraiment parce que veiller toute la nuit en train de regarder un clip où tu figures seulement, c'était waouh en fait. Tout le monde était bénisse. motivé, tout le monde était déterminé. Nous avons fait le million de vues et puis nous avons confiance encore que le clip qui sort là, on va casser la baraque en fait. On est déjà prêt, quoi. On est déjà prêt. On est déjà prêt. Donc la team, pour les personnes qui ne l'ont pas fait sur le clip précédent, je vous incite vraiment pour le nouveau clip là d'être sur pied parce que ça sera du ouf en fait. Parce que les stress seulement qui est sorti là. C'est pas du juste, c'est pas du juste, c'est ça en fait. Et puis la robe bleue que tu as portée même là, je me demande même si c'était toi l'actrice principale parce que tu donnais un genre dans le clip en fait. Tu donnais un genre dans le clip. C'est un truc, oh, en fait, voilà. Merci C'était juste beaucoup. un coucou. Dis merci à toutes ces personnes. Dis merci aussi à Tata Hélène parce qu'elle nous a soutenus. Cadeaux là-bas et autres. Il y a beaucoup d'autres tatas qui nous ont soutenus avec des cadeaux et autres. C'était waouh en fait. En vrai, la team ne se limite pas qu'au live. Au-delà de ça, il y a des personnes qui t'aiment vraiment. Il y a des personnes qui te soutiennent vraiment, qui sont prêts même à se tuer pour toi parce que ne pas dormir pendant 3 jours, c'est waouh en fait. Voilà. Donc c'était juste pour te dire qu'on t'aime et puis on attend le clip de la gloire. On va le hisser plus haut que possible. On va donner le million de vues plus tôt que possible parce que je sais que la team des Lions, on peut y arriver. C'était Manu. Merci beaucoup de m'avoir fait voter. Merci beaucoup. C'était Manon. Très gentil. Et la team. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Surtout à Tata Hélène. Bonne guérison, Tata Hélène. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Franchement, merci infiniment. Et je ne peux pas parler sans pleurer. Elle est forte. Merci beaucoup la team, merci beaucoup Tata Hélène, merci pour le soutien, merci énormément, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, merci infiniment, merci au Père des Sans Voix, Maman Béret, la team Lyon Davila, Tati Sefka, Lolo de Kimi, merci beaucoup Arash, Rachmemji, j'oublie beaucoup son nom. Allez, j'arrive, dites à MMK que j'arrive. Dites à MMK que j'arrive. Merci beaucoup, Raj. Merci beaucoup, le Père des Sans Voix. Merci à toutes ces tatas-là, en fait. Quand je dis toutes les tatas, c'est toutes les tatas, les mamans et tout. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Franchement, merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On va dire même c'est grâce à vous que j'arrive à supporter beaucoup de choses. Et tout, merci beaucoup. Voilà, c'était justement un moment de détente. Rien de grave, beaucoup de détente, mais j'avais beaucoup apprécié l'attitude de Kimi. Et surtout, elle a remercié toutes ces tatas-là qui la soutiennent toujours. Merci beaucoup. Et vous êtes sa force. Nous sommes sa force. C'est très important. Quand une personne se sent très proche de vous, même quand vous n'êtes pas là physiquement, ça sent combien une personne peut être détruite par de personnes qu'elle ne voit pas. Parce que Kimi également se sent proche par des personnes qu'elle ne voit pas non plus. Donc c'est pareil. De la même manière qu'une personne peut être détruite par de personnes qu'elle ne voit pas, une personne peut également
c'est reconstruire, faire de merveilles par les encouragements ou le soutien de personnes qu'elle ne voit pas. Alors faisons très attention aux médias. Qu'est-ce que nous disons? Quel est le message que nous véhiculons? Parce que ça peut détruire, ça peut aussi bénir, ça peut construire, ça peut également briser. C'est très important. Ça, c'était même le message que je voulais passer ce soir à tous les papas et toutes les mamans. Alors, je ne vais pas être longue dans la vidéo parce que vous êtes en train de remarquer que ma voix, elle est cassée. J'étais nouveau sur ma chaîne, en tout cas. N'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Fais vite. Je remarque que vous regardez mes vidéos, mais vous aimez pas. Pourquoi? Aimez. Aimez pour que YouTube puisse proposer nos vidéos. Hein? Oh, aimez. Aimez. La première chose à faire quand vous entrez dans ma vidéo, il faut aimer d'abord avant de regarder. Aimez. Et laissez un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez et tout. Vos remarques également, je prends, je ne suis pas une personne parfaite, non, non, non. Je prends aussi vos remarques et tout. Alors, bonne soirée, on se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!